Le Cameroun est une terre de talents. Dulcie Fankam est la dernière perle d'une forte colonie tricolore du côté des États-Unis. La native de Manengoumba, formée en Consamba et passée par Yaoundé, est la deuxième lionne de l'histoire draftée en Women NBA. Elle retrouve au nirvana de la balle orange Joel Embiid, le géant des Sixers, très proche du titre de MVP cette saison. Pascal Siakam, de retour à son meilleur niveau. Christian Koloko, le bijou des Raptors. Mais le rêve du 237 en entier est de voir tous ces virtuoses en vert rouge et jaune. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 6, acte 75 de votre magazine Kick-Off. Les sports de combat, une fois de plus, à l'honneur. Le judo à la base, mais avant de voir les kimonos et les ceintures, place au sommaire. Au sommaire de cette édition, la nouvelle saison de judo atteint la vitesse de croisière dans le littoral. Les compétitions se succèdent au grand bonheur des athlètes. Un œil sur Victoria United. Le club mythique du Sud-Ouest effectue enfin son retour en première division après une longue période dans le noir et la crise. Le coach Bouba revient sur le match de la peur à Abidjan avec les Lions Juniors en pleine période de guerre en Côte d'Ivoire en mode vintage. Jamais sans ses fans de sport, le SMATCH vous permet de rester positif. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protéslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite. Tioff de son titre de champion de l'hygiène. Suite FM, j'adore. Kick-off. Oui, on s'est posé au débat, pas de force. Tu dégages, tu tournes. C'est bon, tu tournes. Ok. Nous sommes à Makepe, c'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. C'est pour la suite de la saison régionale de judo dans le littoral. Les athlètes, évidemment, sous l'effet des projecteurs. C'est très important de regrouper les athlètes, surtout d'une même région. Ça permet de se tester, jauger les capacités. Comme toutes les compétitions, il n'y a pas de petites compétitions. On se prépare à fond pour la compétition. Et on fait tout pour avoir la médaille d'or. Donc on espère quand même que tout ce qu'on a fait pour nous permet d'avoir la médaille d'or sur le tapis. Un entraînement acharné chaque jour, une discipline qu'on doit s'imposer pour avoir un meilleur résultat. C'est le travail qui paye. Ils sont fous de médailles, rêvent évidemment d'une carrière en or. Voici la rubrique Fans de sport. Salut, je suis David Tengenzima, journaliste de sport, fan de sport. Mon sport préféré, c'est le foot. Oh, le but extraordinaire ! La nature, parce que on commence à jouer au foot sans vraiment vouloir jouer au foot. On a trouvé une bouteille vide à côté, on l'a frappée. On a trouvé rapidement un ballon, on a frappé. On a frappé seul, on a frappé avec les autres. On a frappé dans une direction, on a frappé fort. Et puis on finit par aimer. On le pratique avec d'autres personnes. Quand on veut faire les choses bien avec les autres, voir les autres être contents en se donnant du plaisir, alors on peut choisir le foot. Et le sportif préféré en réalité, celui qui vous donne envie de regarder le sport,
qui s'appelle Lionel Messi et j'ai eu la chance de le voir jouer. Le jour où j'ai été le plus marqué par ce sportif extraordinaire d'un autre genre, c'était le jour du match de Coupe du Monde, un match de poule, c'était à Saint-Pétersbourg entre le Nigeria et l'Argentine. L'Argentine était en difficulté, le Nigeria était presque déjà qualifié. J'ai vu à quoi ça ressemble un grand sportif, j'ai vu à quoi ça ressemble un dieu dans le foot. Et les Argentins étaient 63 000 dans ce stade. J'ai vu à quoi ça ressemble être un supporter dans les gradins avec Lionel Messi sur la pelouse. Je vais peut-être étonner tout le monde. Hein. J'ai grandi en aimant le Caïman Club de Douala. C'est mon équipe préférée. C'est une équipe qui tenait tête à des gros calibres quand j'étais petit. Et elle m'a marqué et elle jouait avec des couleurs que j'aimais bien, le rouge et le blanc. Merci Kikoff et à bientôt. Kikoff. Comme la plupart des sports de combat, le judo veut repartir de plus belle, redorer son blason. Redorer son blason, Victoria United l'a fait. En quelques saisons, le club a changé son destin après plusieurs années dans l'enfer de la division régionale. Au Popo, de retour en Elite One, l'œil du champion est allé au cœur des noirs et blancs. Le document exclusif. Kikoff. Popo, one people, one power. Malgré les soupçons de corruption, le phare du Sud-Ouest est de retour en Elite One. Ça nous donne la joie parce que déjà nous ne sommes pas d'ici et ça nous fait énormément plaisir de faire venir monter une équipe. Un président atypique, des joueurs aux petits soins, un staff au four et au moulin. Voici les secrets d'un parcours exceptionnel. Quinn Valentine, plus connu sous le pseudo de Bob Diddy, véritable self-made man. Photographe à ses débuts, aujourd'hui homme d'affaires célèbre. It's one Cameroon, one power. We want to make Cameroon smile again. Mon ambition, c'est pour amener le Coupe championnat africain à Limbé. Bon,
Je veux que les populations de Limbéri et les populations de Sud-Ouest. Moi, c'est ça que je veux. En à peine 2 ans, il a transformé Victoria United de la Ligue régionale à l'Elite One. Presque un tour de magie. My plan is a 3 years plan. L'année prochaine, je vais récupérer le meilleur joueur. Je vais payer. Il y a le budget qui est déjà fait. Je fais mon budget déjà. Et le plus moins salaire de mes joueurs, c'est 250 000 l'année prochaine. Je vais payer des joueurs jusqu'à 500 000. Le président de la fédération qui a vendu le football. Félicitations. Mais avec la vision de le président Samuel Eto'o, tu vois que le football camerounais, les joueurs peuvent rentrer au Cameroun et jouer. Il a joué dans le football. Il connaît la réalité qui est dedans. Victoria United, c'est environ 4 heures d'entraînement chaque jour. Aujourd'hui, on va travailler le bloc équipe. Dans la première phase, on aura l'échauffement avec le préparateur physique. Après ça, on va passer dans la phase analytique. Et après la phase analytique, on va passer dans la phase globale. Chaque atelier, il y a l'entrée et la sortie. Il faut exécuter, voilà. Je varie ma course. Et dans chaque coppel maintenant, le pied d'appui doit changer. Ça fait déjà 24 minutes. Maintenant, à chaque sortie vers le haut, au niveau de la longueur, on va allonger 40. On récupère au niveau de la largeur, à la sortie du deuxième atelier. Ne tournez pas dos au ballon. Gardez toujours les yeux rivés sur le ballon. Ça joue! La force de Victoria United, je crois, c'est le travail, le soutien de son président, le président qui ne manque toujours de nous mettre dans les conditions optimales pour qu'on puisse faire du bon rendement. Even from our boss, the president, he works in with principles, and which the principles are discipline and unity. 2 bus pour joueurs et supporters. Les salaires et les primes régulièrement réglés. Le staff a récemment lancé le chantier de construction d'un complexe de 35 appartements. Un hall pour les réunions et une salle de musculation exclusivement dédiée au club. Victoria United is back and it is back in grand style. Victoria United is a gate opener for other clubs to see the lamplight of an elite club within the region. Mais tout n'est pas rose à Limbé. De forts soupçons de corruption pèsent sur les noirs et blancs. Nous avons démarré le championnat un peu difficilement. Au Mercato, nous sommes allés chercher dans des équipes qui étaient des concurrents directs. Quand les gens bavardent que nous achetons, que c'est les arbitres, moi je dis que c'est la parole de fer. Parce que sur le terrain, nous pouvons. Comme on le dit si bien, le chien aboie, la caravane passe. Donc je botte tout ça en touche. Restez concentré. Ne sous-estimez pas l'adversaire. Don't play before the game. Avant-dernier match à domicile cette saison, une victoire serait synonyme de promotion. En face, Ofta de Kribi est pratiquement relégué. Mais le club du Sud oppose une vive résistance dès l'entame de la rencontre. Victoria United mène 1-0 à la pause. Lot of communication, presence in marking, lot of presence in marking, solidarity in coverage. Dès le retour des vestiaires, les Faco Boys enflamment les gradins et inscrivent 2 buts coup sur coup. La messe est dite. Victoire sans forcer, 3-0. Ofta coule dans les eaux de Limbé. L'Elite One devient une réalité. Kick-off.
Une compétition par équipe, laissons les tatamis un moment, reparlons de football, du coach Bouba, du match le plus effrayant de sa carrière, un certain Côte d'Ivoire-Cameroun, juste au début de la crise à Abidjan, qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Junior, à moi de Vinté. Je pense que quand nous étions arrivés en Côte d'Ivoire, on avait fait une heure de temps dans l'avion. Il fallait des autorisations pour sortir de l'avion. Il y avait des scanners et tout ça. Il fallait aller à l'hôtel sans ses bagages, attendre que l'armée nous ramène les bagages après la fouille. Ça, c'était quelque chose de difficile à gérer. À l'époque, on était jeunes, on avait 18 ans. Tous unis autour d'une tasse de thé, ça nous laisse au clou, on a péré. Ce match était très très difficile. Très très difficile parce que nous menions la Côte d'Ivoire 1-0 en première mi-temps. Nous sommes allés au vestiaire, on a fait 35 minutes dans les vestiaires. Quand on menait la Côte d'Ivoire à la sortie des vestiaires, on a reçu des projectiles. C'était vraiment difficile et pendant le match, je ne peux pas vous cacher. De temps en temps, il fallait jeter un coup d'œil quand il y avait des bruits parce que l'on ne se sentait pas en sécurité. Est-ce que pour éventuer, on a besoin de tuer? Si nous savons dans la paix, ramener la liberté. On a fait un but partout, nous sommes rentrés. Nous sommes restés au stade plus de deux heures de temps. Il fallait les forces spéciales pour nous sortir de là avec des blindés. Et on avait des consignes avec des militaires à l'intérieur qui nous demandaient de rester la tête basse. Pendant le trajet, il y avait des coups de feu. Il y avait des rebelles qui tiraient, l'armée qui tirait. Les rues étaient désertes, il y avait quelques voitures qui passaient. Je n'avais même pas le goût de regarder la télé parce que tout ce qui passait à la télé, c'était pas compliqué. C'était pas facile pour nous. Ça allait plutôt nous compliquer la tâche sur le plan émotionnel et tout ça. Donc, parfois, nous nous retrouvions 5, 6, 7 dans les chambres. On n'a pas vu le temps passer et puis on nous a dit, ben tenez, votre avion était là. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés, quoi. Kick-off. Avec nous, la présidente de la Ligue régionale de judo du littoral. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Mao. On est content de revoir les enfants sur les tatamis, de revoir le judo vivre dans le littoral. Pour vous, c'est plutôt un super départ, non? C'est un super départ. Et je dirais merci à mon président, le président de la Fédération camerounaise de judo, Maître King Edian Christian, parce qu'il a... Il nous a honorés en faisant l'ouverture de saison à Edea, ce qui nous a boosté le moral dans l'ensemble. Et nous avons assuré le relais à Douala dernièrement, le mois dernier. Et nous continuons avec notre championnat. Vous voyez que de plus en plus, les judokas sont en train de sortir. Le premier mois, la première journée, nous avions 7 équipes avec 75 athlètes. Aujourd'hui, nous avons 8 équipes, dont il y a une équipe en plus avec 72 athlètes. Donc je me dis que tout est en train de se mettre sur les rails. Et le challenge se fera de toutes les façons. Le challenge se fera. Bonne chance pour la suite, man. Merci beaucoup. Kick-off. Kick-off.
près de 6 heures de compétition pour l'amour du judo. Kick-off acte 75, fin de combat. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protéslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et bien... Tiof gagne son titre de champion de l'hygiène. Suite, suite. Suite, suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. C'est ici.